Bonsoir à tous, bienvenue dans l'examen, retrouvez-moi sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. Les amis, rendez-vous demain 20h, sur ma page Facebook. Pourquoi ? Il y a un mois, j'ai fait un truc sur Snap. J'ai fait une proposition à mes amis de Snap. Et c'était complet. Le soir même, c'était complet. Ce qui fait que j'ai pas proposé ni sur Facebook ni sur Instagram et je trouve ça injuste, donc j'ai décidé de le faire aussi sur Facebook et sur Instagram. Alors les amis, je donne rendez-vous à 20h, je vais vous balancer l'info, soyez là. Ça sera les premiers arrivés, les premiers servis, c'est comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un amour, peut en cacher un amour peut en cacher un autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que des fois vous êtes en couple, d'accord, tout se passe bien. Puis, ça dégénère, et vous en arrivez à la rupture. Une rupture en général assez violente ou contre votre gré, c'est-à-dire que vous ne voulez pas rompre, mais ça arrive. Et là, vous êtes complètement dégoûté, complètement blessé, complètement blasé, complètement déçu de l'amour. Et pour vous, l'amour, c'est pas pour vous. C'est fini. Ça ne vous concerne plus, c'est une affaire pour les autres. Mais c'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous rencontrez quelqu'un. Parce que la vie, c'est comme ça. Vous rencontrez quelqu'un, cette personne, elle est adorable. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Adorable. Et cette personne, elle vous met du bonheur dans votre vie, du baume au cœur, etc. Elle vous accompagne un petit peu, mais vous n'êtes pas en couple. Pourquoi? Parce que vous vous dites, ça sert à rien, ça va pas marcher, il va me faire un coup, il va me la refaire à l'envers. Au début, c'est toujours cool, il est gentil, mais dans quelques temps, il va me la faire à l'envers, donc j'essaye même pas. Alors, quand c'est une fille, c'est pareil. La grande erreur, les amis, c'est que un amour peut en cacher un autre. Et c'est là que la phrase prend tout son sens, c'est que ce mec-là ou cette fille-là, c'est peut-être en fait l'heureux élu. C'était peut-être lui, mais celui d'avant, il te l'a caché. Donc, il était en chemin, l'autre, il l'a devancé, il s'est présenté, t'as fait un coup. Toi, tu te dis, c'est fini. Alors qu'en réalité, c'était pas l'autre. C'est lui. C'est lui qui est devant toi, en fait, le vrai. La vraie, c'est celle qui est devant toi, c'est elle, la fille. Et si tu te caches les yeux, tu ne peux pas le savoir. Si tu t'interdis, tu ne peux pas le savoir. Donc en fait, l'amour, c'est pour toi aussi. Il faut juste que tu regardes un peu plus et que tu te dises, ok, certes, j'ai eu un échec, certes, ça n'a pas marché, c'est pas pour autant que je ne vais pas connaître l'amour. C'est pas pour autant que c'est pas fait pour moi. C'est fait pour toi, c'est juste devant toi. T'es tellement convaincu que ça ne marchera pas à cause de tes échecs que tu n'y vas pas. Et ça, c'est le problème, les amis. L'amour peut t'en cacher un autre. Moi, je vous le dis, hein. L'amour, là, il est devant vous. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est super cool, qui est bien avec vous, etc., et que vous ne faites pas l'effort, vous n'y allez pas parce que vous vous dites « il va faire un coup », arrêtez de vous dire ça. Allez-y, essayez, parce que, comme je vous dis, c'est peut-être, mais vraiment, peut-être lui ou elle, l'heureux élu. Alors, les amis, foncez, perdez pas de temps. Et des fois, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour nous, qui croisent notre chemin. Alors que les bonnes, les meilleures sont juste après. Elles arrivent, en fait. Elles prennent juste un peu plus de temps. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Retrouvez-moi sur mes rendez-vous. Je recommence. Retrouvez-moi sur mon site si vous avez besoin de coaching pour les rendez-vous. Donc vous allez dans l'onglet réserver en ligne et vous réservez. Je vous appelle direct. Voilà, c'est rapide. On ne perd pas de temps. Passez une excellente soirée, les amis. N'oubliez pas le livre si vous voulez l'acheter. Et rendez-vous demain à 20h.